chlore à la bombe qui consigne tant papa que Simon Gemba ngwa kufi 9 ans c'est 1960 attends lui était à bien son compte mon nga évoqué joie mais quoi nga et tout ici on anda ko nga et c'est nga na botabi ndenge lui papa mon passer à tes bisous azalaka na mukino musu sel bomba chezali bele zayi kasiya lui kamata mikwa na nga jungi siango isika na botama to sala kindenge ya senga ki soko to sala kindenge mususu nde pas yango na to komona ete omokolo ya le 9 mars 1960 papa dyanginda kuntima Joseph mwana ya misatu ya tata Simoni Kimbangu mpe mokonzi wa bule wa yambo wa lingomba ya tata Kimbangu akotika mboka Kinshasa elongo na delegation ya batu zomi to 10 personnes mpona kokende omboka Elizabethville lelo Lubumbashi. Kuna papa Joseph Dyanginda Kuntima akokende mpona kokundola nzoto ya tata Kimbangu pe komema yango omboka Nkamba. Bo kundoli ya nzoto ya tata Kimbangu e ko salema omokolo ya le 25 mars 1960. O bo kundoli ya nzoto ya tata Kimbangu li kamusi li nene li monanaki. Atako yango e salaki mibu li bwato 9 ans na se ya mabele kasi nzoto ya tata Kimbangu e bimaki mobimba elingi koloba ete et pour la soko mokete. Se omokolo wana kaka, papa Joseph Dyanginda Kuntima elongo na bato banso bakendaki na elongo, bakozwa nzela ya bozongi omboka Kinshasa. Omokolo ya eyengato dimanche le 2 avril 1960, nde ezalaki bokomi na bango elibongo monene omboka Kinshasa. Programme ebongisamaka na lolenge loye ya yambo loyembo ya bato banso oyo epesamaki na papa André Nsambu Twasilwa. Sima na yango libondeli na mama Mikala Mandombe moko kati ya basalisi ya tata Kimbangu. Sima ya libondeli ya mama Mikala nde ekokoma ngala to tour ya papa Charles Kisolokele Lukelo mwana wa yambo wa tata Kimbangu. Papa Kisolokele akotanga discours mpona botombeli boye bolamu na tata na ye na bolobaka boye. Papa, na 1921 tango otikaki libongo oyo mpona yokende boloko na Elizabethville bato bayaki kotala yo ezalaki baleki nzela kengeli bayo ezalaki basoda kasi lelo makambo mabongwani mpona kokende kozwa yo ezali bambuta baetoponaki bato bayei koyamba yo lelo ezali lisusu baleki nzela te kasi bandimi ya lingomba na yo bango bayei koyamba yo mpona kokende kotika yo omboka na yo Nkamba totombeli yo mboyei mbolamu aniki diskuri esini sikomo oyo bakendaki oya kosimba sando awe ekumi ntango kosimba gouverneur général azalaki ye aye mpenza mbangu mpo aya kosimba sanduku tata danjanda alobi bokeba soki ye asimbi sanduku l'independance erate tokozwa ngo lisusu sikoyo te asinyale kasavubu kasavubu aye na riba wana yake mokunji oyo alazaki apoigne gouverneur gouverneur kakakaka akei kotelema lokula kuna bamilitare baye mbangu baya kokuta president ya abako alati mpe bande wana batelemi eloko mosusu ya bango kosala ezali te basimbi au nom du père ki papa ki Solokele Lukelo Charles du fils dit papa Dialungana Kiangani Salomon notre Seigneur Jésus-Christ le Pacifique et
le Saint-Esprit, trois fois disposé ici sous le soleil, à savoir Tata Kimbangu premier, Tata Kimbangu deuxième en la personne de Tata Kuntima Diengienda, et actuellement, tel qu'il est avec nous depuis le 12 octobre 1951, Tata Simon Kimbangu Kyangani, sa divinité, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation qui a pour repère les J.E.C.S.K. l'Église ou l'Évangile de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Mes chers amis, je viens en face de vous, comme il est d'usage, dans cet exercice de communication, dans le cadre de cette structure de média kimbanguiste, le média qui, et dans le mot média, comme je le rappelle très souvent, ça veut dire des messagers pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, évangélion, comme on dirait en grec, pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Et là, aujourd'hui, on est le 2 avril 1960. Et oui, parce que c'est l'anniversaire. 2 avril 1960, 6 avril 1921, exactement 39 ans que l'esprit de vérité décide de rentrer au bercail. Tata Kimbangu, mes chers amis, aujourd'hui, on est le 2 avril l'an 2019, exactement 97 ans. Nous, dans le cadre de cette science que Tata Kimbangu nous a disposée pour essayer de démontrer l'effet spirituel scientifiquement, donc le Mandombe, le Pakundungu et le Pelekete, aujourd'hui, on est un jour de Nsona, mardi. Le mois, c'est le mois de Kundi Kanene, le dernier mois de l'année 97. Autrement dit, le dernier mois de l'année 97. Parce que le 6 avril, samedi prochain, nous allons démarrer le nouvel an de la nouvelle civilisation, le Kimbanguisme. C'est-à-dire, le 6 avril, nous serons donc le premier jour de Kintombo. Mais aujourd'hui, le 2 avril, nous sommes un certain 27 de Kundi Kanene. On est un 27 de Kundi Kanene. Donc le mot c'est Kundi Kanene. C'est le dernier mois de l'année. Hier, je vous introduis, grâce à notre support de travail, qui est le Kimbanguisme, où nous avons relaté les faits qui s'est déroulé il y a cela exactement, comme qui dirait, en prenant pour repère, le 6 avril, évidemment, ils sont 21, 97 ans. Papa Simon Kimbangu décida de rentrer au bercail. Et là donc, je suis dans le livre de la tolérance, le livre 8, qu'on appelle le livre de la tolérance. Hier, nous avons lu le chapitre 30. Et aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre où il est fait état des événements du qu'on appelle de Matadimayo le 2 janvier. Donc, ce livre 8 de la tolérance au chapitre 31. Si papa Simon Kimbangu le veut bien, nous arriverons à la fin de ce chapitre, du 1er jusqu'au 29e verset. Donc, s'il vous plaît, merci de votre disposition, de votre disponibilité. Que papa Simon Kimbangu Kyangani, le patron de la 4e génération Dieu de cet esprit, c'est l'homme qui rentre au bercail. Mais avant de commencer ma lecture pour ce qui est des événements de ce verset biblique, de ce verset du kimbanguisme, c'est que nous souvenons que ce jour, nous voulons donner bien des salutations à ceux qui font notre sécurité sociale. Ce mouvement de la surveillance sociale kimbanguiste. Et surtout, à mes mamans, à mes papas, de la chorale Yelouselemi. Yelouselemi, Nkamba Oye. Yelouselemi, Nkamba Boko. C'est ça la chorale Yelouselemi. La chorale mère de l'institution de Tata Kimbangu. Oui, mes amis,
bien des bonnes choses. Et là, je vois mon collègue, mon ami, mon frère, mon papa soldat d'Escacas, Glody, bien des bonjour et bonnes fêtes. J'essaierai de vous préparer pour cet après-midi parce que, comme il est en Kamba, les événements ont commencé depuis 10h du matin, 9h30, voire. Mais ici, les gens, par rapport à les occupations pécuniaires, nous allons nous retrouver cet après-midi, donc dans différentes paroisses où nous sommes appelés à pouvoir glorifier la Sainte Trinité, à savoir Papa Kisulukelukelo, Papa Dialungana et Papa Kimbangu Kuntima Kiangani. Donc, ici, les événements de Matadi Mayo et l'arrivée de ce corps sacré qui n'a pas connu de corruption, parce que ce corps-là est resté sous sol pendant 9 ans durant, et bien ce corps-là, il s'est mélangé de la boue. Hier, je vous ai montré les images. D'ailleurs, ici, si vous le voulez, vous pourrez les retrouver, les images. Et là où nous avons notre grand doyen. Et là, je le rends grâce, remercier à Papa Yalala, qui est notre ancêtre en ce qui concerne dans le Kimbanguisme. Et aujourd'hui, le relais a été donné par notre chargé de production à la Ratelki, Papa Kif, qui est donc son fils, qui est son père, mais lui, il est le fils, mais lui, il évangélise autrement à travers ses différentes dispositions de médias qu'il nous donne. Ici, c'est un film qu'il avait monté spécial Matadi Mayo. Papa Kif, merci beaucoup, par le relais de mon grand frère, mon collaborateur, mon confrère au niveau des médias Kimbongis, Papa Jérôme Main, qui a disposé cette vidéo dans son compte YouTube OKV. Hein, je crois que c'est le compte OKV. Si vous allez sur le compte Banzouzi 1, mais ça c'est mon collègue de la Ratelki. Et puis si vous allez sur le compte de la Ratelki ou bien émission Okakana, vous trouverez ces images-là que je vous effraie de vous pour montrer ici. Donc, ici, dans le moment Yalala qui expliquait un peu les événements du Matadi Mayo, où partit Matadi Mayo. Mais c'est disponible. Hein. Si vous allez sur le compte Godi de Congo, voir ce matin, je l'ai monté depuis hier sur le compte parce que nous devons vivre l'actualité telle qu'il se passe. Matadi Mayo, c'est avec dévotion, donc c'est le verset 1 du chapitre 31 du livre 8 de la tolérance dans le Kimbanguisme. C'est avec dévotion, disait son tour, que l'immense foule composée des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants accueillis l'envoyé du Christ, le Saint-Esprit, donc Papa Simon Kimbangu, ce personnage mythique dont cette nouvelle génération avait beaucoup entendu parler et dont le corps leur était enfin remis. Ils chantaient sans s'arrêter, reprenant souvent les cantiques Wanlongo Papa Simon, qui se traduit « Papa Simon Kimbangu est saint » ou encore « Tata Simon wa sala salukase » donc vous direz « Papa Simon Kimbangu a œuvré, a accompli l'œuvre du Seigneur ». La fête s'annonçait grandiose. Un office plutôt religieux devait être célébré avec le cercueil placé sur une estrade. Il y avait quelques marches à franchir pour accéder à la tribune qui était placée, position voulue par les organisateurs afin que le cercueil fût bien visible de tous. Les trois fils de Papa Simon Kimbangu, donc les trois glorieux, les trois grandes puissances, la Trinité céleste qui nous a visités sur terre entre 1914 et 2001. Donc, Dieu le Père, Papa Kisolokelo Charles, Dieu le Fils, Papa Dialungana Kiangani Salomon, et Dieu le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima. Vous voyez, je vais vous montrer, je vais me rapprocher, vous montrer exactement là, on est à Matadi Mayo. Si vous le voulez bien, avant de trouver la langue précise, je vais vous montrer comment cette descente, là, nous sommes allés au port de. Voilà, de Kinshasa, il y a l'époque Elisabeth-Ville. Comment Papa Kisolokele est vêtu? Papa Delongana est vêtu? Papa Kuntima Diangenda, vous voyez, j'ai mis le toile, hein, le toile. Kuntima Diangenda était vêtu et tout au milieu, celui qu'ils avaient choisi, leur fils, Papa Joseph Kasavubu, comme étant premier président de la République Divin Congo, RD Congo. Voilà, le royaume Divin Congo. Voyez-vous, c'est ça. Alors, je disais tantôt que. Papa Simon Kimbangu, donc,
décida de rentrer au bercail en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et son passage, il était arrêté, pas non pas à Kinshasa, mais dans la banlieue kinoise, la banlieue de Kinshasa, qu'on appelle Matadi Mayo. Alors, papa donc, qui sont lesquels, tous trois, comme vous avez vu l'image, vêtus de blanc vêtus, se tenaient assis à proximité du corps de leur père. Quelques surveillants s'étaient placés autour de la tribune. Plus bas, d'autres personnalités ecclésiastiques et civiles se tenaient derrière les trois chefs de l'institution de cette nouvelle civilisation qui était venue de mettre en place, qui célébrait ses 39e anniversaire. Parce que 6 avril 21, le 2 avril 60, ça faisait 39 ans exactement que l'institution spirituelle était en vie ici-bas sur terre. Donc, les fidèles étaient repartis sous l'immense hangar selon leur provenance ou leur pays d'origine. À chaque coin se trouvait un surveillant. De l'après-midi jusqu'au soir, des cantiques d'adoration et de louanges furent entonnés, entrecoupés de séances de prière. Bien qu'invités à y prendre part, les églises missionnaires s'abstinrent. Cependant, tout au long de la soirée, beaucoup d'autres personnalités politiques, donc mes confrères, parce que moi je suis un politique, alors, personnalités politiques ou non, de tous bords, vinrent honorer le Saint-Esprit. Verset 8 du chapitre 31 du livre 8 de la tolérance dans le kimbonguisme. Le verset 7 dit ceci, « De l'après-midi jusqu'au soir, des cantiques furent entonnés, entrecoupés des séances de prière, disais-je, bien qu'invités y prendre part. » Donc les politiques étaient présents. Le culte commémoratif commença dans la soirée. À la fin du culte, il fut demandé aux fidèles de se placer en quatre lignes opposées afin de venir se prosterner devant le corps du Saint-Esprit. 9, verset 9. En suivant les quatre files, les fidèles vinrent un à un se prosterner, prier et toucher le cercueil de Papa Simon Kimbangu, premier, tandis que le reste de l'assistance maintenait les chants des fidèles, les chants des fidèles du Congo belge touchaient le cercueil à part de part et d'autre du cercueil au niveau des épaules et de la tête, tandis que ceux du Congo, tiens, suis bien attention, hein? Donc papa, les indications sont comme suit, les chants des fidèles du Congo belge, en suivant les quatre files, les fidèles vinrent un à un se prosterner, prier et toucher le cercueil de Papa Simon Kimbangu. Tandis que l'assistance maintenait les chants, les fidèles du Congo belge, donc actuel RD Congo, touchaient le cercueil de part et d'autre du cercueil au niveau des épaules et de la tête. Tandis que ceux du Congo français le touchaient par les pieds sous le regard des trois fils de sa divinité, Tata Simon Kimbangu, et des membres du collège kimbanguiste. C'est aux environs de 22 heures, alors que la nuit était totalement tombée et que le groupe électrogène était déjà en marche, allumant les milliers d'ampoules qu'un groupe d'individus composé principalement des ressortissants de la tribu Bayaka vint perturber la fête. Ils cherchèrent à emporter le cercueil pour une destination inconnue et furent empêchés dans leur entreprise par les nombreux surveillants kimbonguistes postés partout. Les quatre files de fidèles qui venaient de se prosterner devant le cercueil furent interrompus, empêchant ainsi beaucoup de kimbonguistes de jouir de ce moment tant attendu.
Ce furent des pleurs qui se firent entendre à la place des cantiques de joie qui avaient occupé tout l'après-midi et le début de la soirée. Devant cette violation et ce sacrilège téméraire, les surveillants vinrent contrer les agresseurs. Des mouvements désordonnés et brusques apparurent sur la tribune. La lumière s'éteignit et l'obscurité fut totale. Les pleurs s'amplifièrent. La non-violence étant de rigueur, l'ensemble de la communauté kimonguiste resta à sa place. Dans ce désordre, seuls les officiels et les surveillants intervinrent. Dans cette obscurité, où personne ne savait plus ce qui se passait sur la tribune, une pluie imprévue se mit à tomber. Les grandes personnes pleuraient, tandis que les enfants, qui ne comprenaient pas le drame qui était en train de se jouer, regardaient leurs parents pleurer et les imiter. Saisi. La pluie n'arrêta plus de tomber jusqu'au milieu de l'après-midi du jour suivant, le dimanche 3 avril 1960. Tard dans la nuit, lorsque la lumière revint, on constata avec émoi que le cercueil de Papa Simon Kimbangu avait disparu de la tribune, de même que c'est les 3 enfants et les officiels. Plus tard, au petit matin, on a appris que dans la nuit, le corps de Papa Simon Kimbangu avait été transporté en Kamba, Manzavelela, New Jerusalem, par ses enfants après que les surveillants aient réussi à maîtriser les agresseurs. Interrogés, ils avouèrent avoir été envoyés par les missionnaires. Vous vous rendez compte? Il fut décidé qu'aucune poursuite judiciaire ne serait engagée ni contre les agresseurs, ni contre leurs commanditaires, donc les Occidentaux, les Mfoubembi, hein, les Mfoumila, hein, nos enfants albinos, là, Alba, Blanc, Alba, Albinos, Mfoumbi, hein, les Bandundula, les Ndundula. Plus tard, il fut décidé qu'aucune poursuite, donc je disais tantôt que c'est décidé, je pourrais les poursuivre. Les 3 fils de la incarnant donc la Trinité Céleste de Papa Simon Kimbangu avaient décidé d'écourter les festivités et de ramener rapidement le cœur de leur père dans son village natal, donc en Kamba, Nouvelle-Jérusalem aujourd'hui, afin d'empêcher que d'autres forces civiles ou militaires ne soient tentées de venir le leur confisquer et peut-être l'exporter. C'est ainsi que, dans la nuit, le corps avait été remis dans le camion Zunganissa, 3 octobre, et avait furtivement quitté Matadimayo pour Nkamba. Cela ne faisait aucun doute. Les scientifiques et les chercheurs occidentaux pouvait-il rester indifférent devant ce phénomène extraordinaire et laisser s'échapper un tel corps non embaumé, s'il vous plaît? En octobre 51, qui n'avait subi aucune corruption après 9 ans passés sous terre. J'insiste sur le chiffre 9. Ndungu wa Piluka, 9.
Kiamba, Kiamona, qui n'avait subi aucune corruption après 9 ans passés sous terre et qui représentait de ce fait une valeur scientifique inouïe. Ne se rappelait-il pas que ce même corps avait été trouvé sans viscères lors de son autopsie à Elizabethville en octobre 1951. Malgré donc la nuit tombée, les populations qui s'étaient massées patiemment sur la route de Kamba avaient eu la joie de rencontrer Tata Simon Kimbangu. Le cortège s'était arrêté successivement à Kasangulu, à Luila, à Ntedi, à Nsodambata, à Inkisi, avant d'arriver à Tisville, donc Mbanzangungu. Mbanzangungu, donc Tisville, à ce moment, à cette époque, était la ville où venait, où avait été jugé Tata Simon Kimbangu. Sa famille, ses sacrificateurs et de nombreux autres Kimbanguistes à cause de la mission que notre Seigneur Jésus-Christ lui avait donnée ou l'avait confiée, comme qui dirait, pour continuer évidemment dans la suite logique. De ce fait, l'escale de Tisville actuel Mbanzangungu fut très significative et dura plus d'une heure trente avant que le cortège ne repartît vers la nouvelle Jérusalem. Donc, vers la nouvelle Jérusalem. Nkamba donc. Arrivé à Nkamba, le dimanche 3 avril 1960, à 18h précises, le corps du Saint-Esprit Tata Simon Kimbangu Ier fut placé sous un hangar pendant 11 jours. Les fidèles qui n'avaient pas pu se prosterner devant lui à Matadi Mayo, ou qui n'eût été pas donc là-bas, vinrent le faire durant cette période donc. Auparavant, des maçons venus de Kinshasa, de Brazzaville, donc j'aime bien dire Mbanza Kimbangu, excusez-moi, et des environs de Nkamba étaient venus construire le mausolée de Tata Simon Kimbangu du 2 février au 30 mars 1960. Le corps y fut installé le 13 avril 1960. Quant à ce véhicule neuf surnommé Zunganissa, qui avait transporté le corps de Papa Simon Kimbangu Ier, il tomba plus tard en panne et resta à la même place où il avait été parqué après avoir ramené le corps du Saint-Esprit à sa destination finale. Il ne fut réparé qu'au début du troisième millénaire, car c'est dans ce même véhicule que le cercueil contenant le corps de Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani fut installé pour le faire entrer dans la cité céleste de Nkamba Mbanza Velela, New Jerusalem. C'est un vestige du kimbanguisme, une preuve de l'histoire douloureuse, mais devenue joyeuse aujourd'hui, que vécurent les 37 000 chefs de famille déportés pour avoir accepté le message de salut et de fraternité qui leur avait été donné par le Consolateur. L'histoire du kimbanguisme se déroule et découvre aussi par ce genre de symboles qui disent là pour porter un témoignage vivant à la postérité. Au nom de Papa Kisolo Kelelo Kelo,
Papa de Lungana et Papa Kimbangu Kuntima Kiangani. Voilà mes chers amis, ce partage que j'avais à vous disposer ce jour 2 avril 2019, ça veut dire le 21 tellement en nous. Papa, je vais vous faire état ici de l'oracle de Papa Kuntima Diangenda lui-même qu'il a tenu à propos de cette journée. Hein? Papa Kuntima Diangenda. Suivant. Allons-y un petit peu. Voilà. Donc là, on est à Matadi Mayo. Voilà, les forces de l'ordre. Donc là vous voyez le Dieu le Père qui descend pour venir honorer. Là on est en 1988. Dieu le Père, Papa qui sont le Charles, donc le fort, Dieu juge, Daniel. Là on est à Matadi Mayo en 1988. Voilà Dieu le Père, Papa qui sont le Charles, accompagné de son épouse, Nsalu Akanda, maman. Voilà. Dieu le Père, le Saint-Esprit, en confiance. Il est exactement 30, malheureusement, le temps est imparti. Je vais devoir rendre l'antenne parce que les occupations pécuniaires nous suivent derrière. C'était donc, mes chers amis, en ce jour spécial, nous allons continuer notre programme, peut-être si Papa Simon Kimbangu Kiangani le veut bien, très très prochainement pour vous relater toujours dans le cadre de cette suite de communication de Media Kimongis, pour vous mettre en relation avec cette nouvelle civilisation et comment devons-nous nous y adapter, parce que c'est la nature même de Tata Kimbangu. Mes chers amis, merci une fois de plus. J'aurais bien voulu vous mettre l'oracle de sa divinité, Papa Kuntima Diangenda, ce jour-là. Mais malheureusement, attendez un instant, si mon collègue peut me permettre. Voilà, vous voyez, c'est Ngudi Longo, Kaja Wanga, sa réincarnation, qui est avec nous ici en France. Merci mes amis, je vous dis au revoir et à très bientôt.